Ok, on va faire un petit repas. Comment ça marche? Voilà le soleil. Non, ça c'est la lune. Wow, ok. La lune est géante. Oui, c'est géant. Ok. Voyez bien comment ça marche. Regardez bien l'ombre et la lumière. Ok, est-ce que vous avez compris? Ok, bon, sortez vos notes de science. Commencez avec la lune ici. Combien de la lune est-ce que vous voyez? Zéro. Zéro. Et alors? Ça, c'est la première. La nouvelle lune. On ne voit rien dans la lune. On ne voit rien. Ok. Et puis, c'est Saturne. Ici, vous voyez quoi? La première croissance. Petite pièce et de la lune. Ça vient de quel côté? Non. Droite. Non, c'est comme un croissant qu'on mange. Oui. Oui. As-tu une autre science de mon papa? Oui. Alors, l'ombre, c'est ici. Et la lumière, c'est ici. Alors, ça passe. Et ça, qu'est-ce que vous voyez? La première quartier. Vous voyez que la lumière agrandit de droite, non? Alors, et maintenant, que voyez-vous? La lune pleine. Non. La lune gibbeuse croissant. Gibbeuse. Wow! What? Oh wow, tall moon. Monsieur Tay said, bravo. Monsieur Abraham. C'est mieux ça. Ok, alors. Donc, la lune passe comme ça. Et maintenant, la lune pleine. Donc, vous voyez, ça va comme ça, la lune pleine, et puis là, la lune qui passe.
la lune commence ici, de quel côté? Ok, est-ce que vous avez compris ça? Comment ça marche? Oui. 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 Alors, regardez vos devoirs. Quoi devoirs? Devant vous, le papier que je vous ai donné. Il n'y a pas. Des tu ne mets pas là. Et alors?
Est-ce que c'est la mienne? Non. Et pourquoi? Parce que j'ai pas fait la correction. C'était un quiz. Alors, peut-être on peut faire un autre quiz. Peut-être il y aura un quiz demain. Non. Oui. Aujourd'hui. Ok. Passons à autre chose. Le soleil. Tu voudrais être dans le soleil. Bethany, est-ce que tu veux être dans le soleil? Tu te mets ici avec le soleil. Tu te mets ici. Ça va. Ça va. Ici. Tu te mets ici. Tu es le soleil aujourd'hui. Qui voudrait être la terre? Brooklyn, est-ce que tu veux être la terre? Et notre personne va être la lune. Tu devrais être la lune, mais tu devrais être la lune. Une éclipse solaire. Une éclipse solaire. Comment ça marche? Ok, comment est-ce que ça marche? C'est une nouvelle lune. Qui explique ça? Qui va expliquer ça? Comment ça marche? Ok, Bethany, comment ça marche? Le soleil est ici et la lune. Et directement en ligne avec le soleil et la terre. Et la terre voit juste la. Il voit pas la lune, mais il voit un petit peu de lumière de le soleil. Oui, mais avec une éclipse, la lune couvre complètement le soleil. Et donc l'ombre de la lune couvre une partie de la terre, non? Ok, très bien. Merci, les filles. Merci, merci. Merci le soleil, merci la lune, et merci la terre. Ok, qui voudrait être la terre maintenant? Max, tu veux être la terre maintenant? Ok, qui voudrait être la lune? Grayson, tu veux être la lune, là? Et qui voudrait être le soleil? Emily, est-ce que tu veux être le soleil? Ok, voilà. Est-ce que vous pouvez montrer comment ça fonctionne une éclipse lunaire? Comment est-ce que ça fonctionne une éclipse solaire? Ah, qui peut l'expliquer? Oui, Max. La lumière du soleil, c'est n'est pas sur la lune, c'est et la terre, le l'ombre de la terre est sur la lune. Ouais. L'ombre de la terre est sur la lune. Mais c'est quel type de lune? Une pleine lune. La pleine lune. Okay. Mais l'ombre de
lumière obscure, la lumière de la lune. Non? Oui. Ok, très bien, merci. Alors, pour l'expliquer, on a besoin du vocabulaire. Non? Mais quel vocabulaire? Le vocabulaire science. Le vocabulaire science. Oui, ok. On va écrire quelques mots de vocabulaire. Ok, voilà. Quel vocabulaire? On a... C'est quoi ça? Le soleil. La lune. La lune. La terre. La terre. La terre. La terre. Quels autres? Mars, la lune, la lune pleine. L'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Et l'éclipse lunaire. Ok, on va parler de l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Quel autre mot? La phase de la lune. Les phases, ok, peut-être. L'ombre. Vous avez compris l'ombre? Oui. L'ombre, oui. On a besoin de ça. Autre. Bloqué. Non, bloqué, on vient bloc. Oui. L'éclipse. Donc, on a dit l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire. Oui. La lumière. Bien sûr, la lumière. Est-ce que vous écrivez tous ces mots? Quoi? Oui, quoi? Non. Pourquoi? Quoi? Parce que vous allez créer une vidéo pour expliquer. Comment ça fonctionne les deux éclipses? Alors, pour avoir le vocabulaire, pour l'expliquer, peut-être vous allez écrire le vocabulaire pour expliquer comment ça marche les deux. Alors, vous allez faire une petite vidéo, non? Pour expliquer comment ça marche. Alors, voilà, la lumière du soleil est bloquée par la lune. C'est une lune nouvelle, mais l'ombre de la lune est sur la terre et ça bloque la lumière du soleil. Et quand il y a une éclipse lunaire, l'ombre du terre bloque la lumière d'une plaine, et donc l'ombre de la terre est sur la lune. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Oui. En français? Oui. Et? Oui. On va voir.
Ok, alors vous allez prendre vos plaidos et vous allez faire ok, avec vos plaidos, vous allez créer la lune et la terre. Et le soleil? Non, il ne faut pas créer le soleil. Parce que on va sortir. Oui, on va sortir. On va sortir. Et on va enregistrer un petit vidéo en expliquant comment ça marche. Expliquer comment ça marche. Okay? Et vous allez enregistrer un vidéo expliquant comment ça marche. Okay?